Et bonsoir à tous, bienvenue ce soir sur la retransmission de la GTSFC catégorie ESGT4. On est sur le salon A, on est ce soir sur le circuit de Dragon Trail sur Gran Turismo Sport. Bonsoir Multijeu, salut Nemzor, ça marche, j'ai passé le message, salut JP et salut Pinky. Eh bien écoute, Multijeu, contacte-moi en privé sur la page Facebook Mazix Gaming et puis on en discute, pourquoi pas. Salut Totogator, qui vient soutenir les pilotes de la MP Racing. Allez, on va faire un petit tour ce soir sur les pilotes présents dans ce lobby A, dans cette poule A de la GT4. Content pour la GTSFC. On aura donc sa papaya de la Mazix au volant de son Audi TT habituel, Uma de la Storm Racing qui sera lui au volant de la Mégane Group 4, Alain de la MP Racing justement qui sera lui au volant de la Viper, la Dodge Viper, Bacasta au volant de sa traditionnelle BMW M4. Le pilote de la VTK, Abracadabra, nouveau pilote arrivant dans cette poule A, le pilote belge au volant de l'Audi TT Cup également. On aura Spook de la VTK qui sera au volant de son habituel Toyota 86. On attend les autres pilotes qui ne devraient plus tarder à rentrer en piste. On a Oncle Sly de la TDP également au volant de son Audi TT Cup. On aura Fanao également qui sera lui au volant de la Mitsubishi Lancer, si je me souviens bien. Salut Suntech. Alors je le rappelle, on partira d'ici quelques minutes pour les qualifications, 15 minutes de qualification. À ça s'ajoutera 20 tours, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, pour cette catégorie ESGT4. Et ce sera au niveau des règlements. On aura donc tout le monde avec un choix libre de véhicule dans la catégorie Groupe 4 sur Gran Turismo Sport. La consommation du carburant est en off, les paramètres sont fermés, l'EDP est activé et l'usure des pneumatiques est également désactivée. S'offrir un petit tour en caméra embarquée avec un des pilotes qui va commencer, et bien ce sera Abracadabra, le pilote belge qui va nous offrir un tour en caméra embarquée sur ce circuit de Dragon Trail. On est en Croatie ce soir pour cette manche de l'ESGT4. Arrive sur la partie la plus dangereuse de ce circuit de Dragon Trail, cette fameuse chicane où tous les pilotes devront faire extrêmement attention, aussi bien dans leur pilotage que avec les pilotes qui seront devant eux ou derrière eux. On passe très très près des murs, voilà une petite touchette pour Abracadabra. Belge qui nous aura offert ce tour en caméra embarquée. Salut Kaimé.
puisque... Va-t-on ce soir voir de nouveau une extrême domination de Spook et sa Toyota 86? Est-ce que sa papaya de la Mazix avec son Audi TT réussira à faire le bon coup comme sur la dernière manche où il avait fini à la troisième position? Oui, j'ai vu multijeu, alors si tu veux multijeu, contacte-moi sur ma page Facebook. Ma page Facebook, donc Mazix Gaming, pour en discuter en privé si tu le souhaites. Ce serait avec plaisir, bien évidemment. Mais voilà, contacte-moi en privé parce que c'est toujours compliqué hein, de discuter de ça en live. Les pilotes hein, qui connaissent excessivement bien ce circuit de Dragon Trail qui est présent depuis la sortie du jeu. Et on aura Nemzor également qui vient d'arriver, qui sera lui au volant de la Ferrari. Alors les qualifications devrait bientôt débuter. Est-ce que c'est un drôle, c'est un marrant. Si seulement, mais non, malheureusement non. Pas encore de sponsor sur la chaîne Mazix Gaming, peut-être. Le Coca-Cola, ouais, effectivement. Effectivement, très bonne course à tous, surtout à la VDK, bien évidemment pour toi JP, c'est normal. Adèle de la Oni Multi Gaming qui vient de rejoindre le salon également à son tour. Ça marche, merci Multijeu. Merci beaucoup en tout cas. Et je vois ça directement à la fin du live. Je reste bien concentré sur la diffusion. Et je vois ça directement à la fin du stream. J'irai voir le message avec plaisir. Et dans ces essais libres, on a Alain au volant de la Dodge Viper qui est en tête en 1.46252. Alors qu'on a Ikaime qui a quitté le salon au volant de sa Toyota 86 également. Et qui rejoint de nouveau le salon. Effectivement, hein, toute aide est la bienvenue. Et j'en profite également pour remercier hein, les donateurs sur la chaîne. On reçoit de temps en temps quelques dons et ça fait excessivement plaisir. Merci à vous. Être assez serré hein, dans cette manche de l'ESGT4, comme je le disais tout à l'heure, les pilotes qui connaissent parfaitement ce circuit de Dragon Trail, seule la chicane peut être réellement dangereuse pour l'ensemble des pilotes, malgré le fait qu'ils connaissent excessivement bien ce circuit. Cette chicane est excessivement dangereuse et on risque de voir quelques chocs, quelques batailles, quelques
quelques petits loupés. Hein. Et on aura Kipsto, le pilote belge de la TX3 au volant de la Lamborghini Huracan, qui sera présent également ce soir. On attend le début des qualifications. Salut Mika. Effectivement JP, hein, c'est pas parce qu'on a changé d'équipe qu'on oublie les gens avec qui on a roulé pendant un certain temps. Donc effectivement, tu soutiens tes anciens coéquipiers, et c'est normal. Et on soutient l'ensemble des pilotes. On leur souhaite ce soir une très très bonne course, qu'ils nous offrent autant de superbes batailles que l'on a pu voir sur les dernières manches de cette catégorie ESGT4. C'est vraiment un championnat plaisant, excessivement plaisant à commenter, excessivement plaisant à regarder. Et je pense que les pilotes prennent tout autant de plaisir à rouler. Exceptionnel. Salut Spec. Et on aura Adèle au volant de la Mégane Group 4, le pilote de la Honda Multi Gaming. Également présent ce soir, Ikaeme au volant de sa Toyota 86. Que de belles courses, oui. Et effectivement, que de belles courses. Des belles batailles. Allez, c'est le début des qualifications. Le salon qui va donc être remis à zéro. Les temps, voilà, c'est fait. Les temps qui sont remis à zéro. Et voilà, on est parti pour 15 minutes de qualification. Et c'est sa papaya de la Mazix qui sort en premier des stands. On va suivre sa papaya comme d'habitude pour ce tour de sortie des stands, puis le premier tour rapide pour avoir le premier temps de référence. Bonne qualification à tous les pilotes. Salut Merlin. Oui, la blague était pourrie. Je viens de la lire, effectivement. La blague était totalement pourrie. C'est pas grave. On va mettre ça sur le compte de la fatigue. Allez, le passage de la chicane dans ce tour de sortie des stands pour sa papaya, suivi de très près par Kipsto. Kipsto. Et c'est Kipsto. Ça va être compliqué hein, de dire son pseudo. Kipsto. Faut pas que je mette le T avant le S. Et c'est donc le pilote de la TX3 qui va nous offrir le temps de référence à la fin de ce premier tour lancé. Et c'est parti donc pour le premier tour lancé pour le pilote de la TX3.
Effectivement. Le ridicule ne tue pas. Salut Spock. Défi du foie. Défi du foie, oui, pas de problème. Et bah bonne chance à toi, Namzor. Défi du soir, voilà. Dire correctement sans écorcher son pseudo à Kipso. Ça va être compliqué hein, dans les batailles quand il va falloir le dire vite. Enfin, il va falloir que je me trompe. Au volant de la Lamborghini, qui est assez à l'aise, hein, cette Lamborghini sur le circuit de Dragon Trail. À 10 fois de suite, ça va être compliqué, hein, sans compter que j'ai à moitié la crève ce soir. Dernier virage pour Kipso. Qui va nous donner le temps de référence. 1.46.278 pour le pilote de la TX3. Le suivi de Spook qui est en 1.46.668. Oncle Sly. Avec l'Audi TT Cup, le pilote de la TDP, 1.47.789. Et c'est Bacasta qui vient prendre la troisième position, 1.47.246. Abracadabra est en cinquième position, 1.48.335. Quatrième position pour Abracadabra. Fanao, cinquième, 1.50.685. Sapapaya, 1.53.171. Alain, 1.58.221. Nemzor qui en finit avec son premier tour rapide. Alors bien évidemment les temps hein, qui vont largement évoluer. Alors que le GTSFC officiel nous informe que Kipso, ah voilà je me suis trompé. Kipso a le record du monde sur ce circuit, il est en guest ce soir. Et c'est Ikaeme qui a pris la quatrième position, 1.47.381. Facebook qui améliore, toujours à la seconde position, 1.46.563. Et c'est Alain qui vient prendre la troisième position, 1.46.617 pour le pilote de la MP Racing sur la Dodge Viper. Bacasta qui n'a pas réussi à améliorer dans son second tour, Ikaeme au volant de la Toyota 86. N'améliorera pas dans ce tour. Oncle Sly est en 6ème position. Uma en 7ème position, 1.47.862 au volant de la Mégane. Abracadabra est en 8ème position, 9ème position. Et c'est Nemzor qui vient prendre la seconde position au volant de la Ferrari, 1.46.452. On est très très proche, hein. Entre les quatre premiers. Sapapaya est en 10ème position, 1.48.804. Il est en passe d'améliorer. On va rester sur Sapapaya à l'entame de cette chicane.
Et sa papaya qui améliore une 47-997 à la 10e position. Adèle de la Honey Multi Gaming est à la 9e position sur la Mégane Group 4, une 47-792. Et c'est Spook qui a repris la seconde position, une 46-325, alors que Kipso a amélioré une 45-987 pour le pilote de la TX3. Et c'est Adèle qui profite du bon rythme, justement, du pilote de la TX3. Salut Solja, ça va et toi? Est-ce que Adèle va pouvoir profiter justement de cette bonne dynamique pour améliorer son chrono? Et qui améliore Adèle en 6e position, une 46-929. Et pour le moment, on aura donc toujours Kipso en première position, une 45-472 qui continue d'améliorer. Oufazed, le pilote de la Honey Multi Gaming sur l'Audi TT Cup, qui prend la seconde position, une 45-886. On a deux pilotes sous la barre d'une 46 pour le moment, une 46-325 pardon, pour Spock. Quatrième position pour Nemzor, une 46-452 au volant de la Ferrari. Alain de la MP Racing est en cinquième position, une 46-617. Oncle Sly est à la sixième position, suivi de Adèle en septième position. Bacasta est à la neuvième position. Uma de la Team Storm en neuvième position. Sapapaya est à la dixième position. Ikaeme est à la onzième position. Abracadabra est à la douzième position. Et Fanao est à la treizième position. Un nouveau pilote qui apparaît dans ce championnat ESGT4, Oufazed de la Honey Multi Gaming, qui nous sort un très très joli temps dans ses qualifications, 45-886. Ce soir, c'est le soir de la blague ce soir sur le chat du live. Salut Fabrice. Adèle qui a repris la 6e position au volant de la Mégane, une 46-737, on continue d'améliorer pour Adèle sur un très très bon rythme, le pilote de la Honey Multi Gaming. Spectre, les blagues. Fou. Il a sorti son livre d'or de la blague ce soir, Spectre.
Mais c'est tant mieux, puisque on est aussi là ce soir pour prendre du plaisir et du bon temps. Et si on peut rigoler un peu, pourquoi pas? Allez, Fanao, qui a l'air d'être un petit peu plus à la peine au volant de sa Mitsubishi Lancer. Qui vient légèrement percuter le mur à la sortie de cette chicane. Et 1.45.472 pour Kitso. Fanao qui restera à la 13e position, une 50-685. Les qualifications qui vont bientôt se terminer, encore une petite minute, un petit peu plus d'une minute dans ces qualifications. On va faire un point sur le classement avec le pilote de la TX3 Kipso qui est en tête, suivi de UFAZ qui est en avance. UFAZ sur le meilleur temps autour. On va rester avec UFAZ justement. Salut Michel. Il y a 20 tours. 20 tours me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'est 20 ou 30 tours. Mais il me semble que c'est 20 tours. UFAZ qui était en passe d'améliorer. Et qui n'améliorera pas de très peu. On aura Nemzor à la 3ème position, suivi de Adèle Spook. Adèle qui a continué d'améliorer hein, au volant de sa Mégane Group 4. 1.46.247. Très très joli temps pour Adèle. Spook à la 5ème position. Alain 6ème. IKM 7ème. Bacasta 8ème. Uma 9ème. Sapapaya 10ème. Abracadabra 11ème. Oncle Sly était à la 7ème position, me semble-t-il. Et Fanao est à la 13ème position. Voilà, les qualifications qui sont maintenant terminées. On va attendre, bien évidemment. Voilà, le top du host du salon. On repasse sur l'intermédiaire en attendant le début de la course. Et on va partir pour ces 20 tours de course. Effectivement, hein, très très bon UFAZ. Ça va être très très chaud. On a 6 pilotes dans la même seconde. Avec une légère domination, 2 pilotes qui sont passés sous la barre des 1.46. Avec les nouvelles couleurs de la Honey Multi Gaming que nous n'avions pas eu encore l'occasion de voir sur la chaîne Mazix Gaming, que nous voyons ce soir. Très très jolie couleur, très très jolie nouvelle livrée pour la Honey Multi Gaming. Les pilotes qui attendent le top départ de la course. Oncle Sly qui sera donc à la 8ème position et non à la 7ème. Et la course qui va être lancée. Salut Alain!
Bonne course à tous les pilotes. La finale qui démarre dans quelques secondes. Et nous sommes partis pour cette manche sur Dragon Trail de la GTCFC catégorie ESGT4. On est sur le salon A. On aura donc en tête Kipso, suivi de Oufazed, Nemzor, Sayadel, Spook, Alain, Ikaeme, Oncle Sly, Bakasta, Uma, Sapapaya et Abracadabra et Fanao en 13e position. Attention au départ, messieurs les pilotes, bonne course à tous. Offrez-nous un maximum de spectacles comme vous l'avez fait sur les manches précédentes. Et on sera donc parti pour 20 tours, je ne m'étais pas trompé. Et c'est parti pour l'ensemble des pilotes. Et ça passe proprement pour l'ensemble des pilotes dans ces premiers virages. Oufazed qui reste immédiatement derrière le pilote de la TX3. Nemzor qui se fait attaquer par Adel justement. Alors que derrière on aperçoit également Alain qui tente de prendre le meilleur sur Spook. Au freinage pour Adel qui va tenter l'intérieur sur Nemzor. La réaccélération de la Ferrari qui restera devant. Le passage de la chicane pour les premiers pilotes. Et c'est Alain qui a réussi à prendre le meilleur sur Spook. Petite touchette. Adel. Il a fait les frais de la chicane, qui se retrouve en 6e position, 7e position pour Ikaeme. C'est la bataille derrière. Bakasta qui va tenter à l'intérieur, attention. On est très très serré ici entre le 7e, 8e, 9e et 10e. Et ça passe pour Bakasta. Bakasta non, qui restera derrière Uma. L'accélération de la Mégane, la puissance de la Mégane derrière. On a Sapapaya en 11e position, 12e position pour Fanao qui tente de prendre le meilleur sur Abracadabra. C'est la bataille entre Oncle Sly, Uma, Ikaeme, Bakasta et Sapapaya qui est revenu sur le groupe. Et de prendre l'intérieur sur Ikaeme. Qui retombe en 9e position, ça fait les affaires de Uma et de Ikaeme qui repassent en 7e et 8e position. Bakasta toujours bloqué à la 10e position pour le moment. Avec Sapapaya qui vient lui mettre la pression justement dans cette chicane. Et c'est l'erreur du pilote de la Mazix. Et qui se retrouve en 12e position. Abracadabra également a fait les frais de la chicane en 13e position. Fanao se retrouve à la 11e position. Bakasta en plus Sly. Ikaeme toujours à la bataille. Ikaeme sorti par son coéquipier. À l'avant de la course, on a Alain qui a pris la 3e position au volant de la Dodge Viper, qui va tenter de refaire son retard sur Nemzor et Kipso, qui est en 4e position.
peut-être une petite erreur de la part du pilote de la TX3. Et c'est Oufa Z qui récupère les commandes de la course. Le pilote de la Audi Multi Gaming suivi de Nenzor et Alain. On sort un petit peu large pour Spock, petite frayeur au volant de la Toyota 86. Tient le rythme du pilote de la TX3 et qui va peut-être tenter de prendre le meilleur, justement. Le passage de la chicane, toujours très dangereuse, peu importe le moment. Elle est en 6ème position, Uma est à la 7ème position, Oncle Sly 8ème, Ikaeme 9ème, Fanao est à la 10ème position qui vient mettre la pression à Ikaeme justement. Sapapaya est revenu en 11ème position, 12ème position pour, Abracadabra et Bacasta qui se retrouve en 13ème position. Une erreur peut-être du pilote de la VDK qui se retrouve en dernière position. Début de course compliqué pour le pilote de la VDK. Qui va peut-être tenter ici à l'intérieur. Ikaeme qui restera devant avec la Toyota 86. Et la bataille pour le moment qui fait les affaires de Sapapaya, qui va peut-être pouvoir revenir et profiter de la bataille des deux pilotes devant lui. Eh bien non, apparemment non, plus de pilotes engagés. Et on est très très proche hein, entre le 9e et le 10e, Ikaeme et Fanao à la bataille alors qu'on a un drapeau jaune. Et c'est Spook! Spook qui a quitté le salon, l'abandon du pilote de la VDK. Kipso qui revient sur Alain. Et Spook qui rejoint peut-être un bug de connexion, peut-être. Malheureusement, Spook qui a quitté le salon. Alain qui est en troisième position et qui voit revenir le pilote de la TX3 sur lui. Alain qui revient également sur Nemzor, alors que devant on a Oufa Z qui a 2 secondes 4 d'avance. Abracadabra qui quitte le salon également. L'abandon d'Abracadabra. On revient rapidement pour Kipso. Protéger son intérieur et qui restera devant. Bataille qui fait les affaires de Nemzor pour le moment, qui réussit à creuser l'écart petit à petit, 1 seconde 3 d'avance.
Oui, Fabrice, il n'y a qu'un seul pilote de la Mazix engagé sur ce championnat. Et c'est toujours la bataille entre Kipso et Alain. Kipso qui tente de trouver une ouverture. Pour le moment, ça ne passe pas. Alain qui défend très très bien sa position. Et on retente au même endroit pour Kipso, les pilotes qui sont de nouveau côte à côte. Au freinage, Alain qui va continuer à défendre sa position et qui reste en troisième position. Et ça sort un petit peu large pour Alain. Kipso qui repasse en troisième position et qui se lance à la poursuite de Nemzor. Petite erreur d'Alain qui lui aura fait perdre une seconde 2. Dommage pour Spook, effectivement, on a lu le message dans le chat du jeu. Adèle qui est en cinquième position, très belle course également du pilote de la Honey Multi Gaming. Uma est à la sixième position, Oncle Sly 7e, IKME 8e, 9e position pour Sapapaya de la Mazix. Bacasta est revenu en 10e position, le pilote de la VDK, et Fanao est en 11e position. Je rappelle que nous avons eu l'abandon de Spook et l'abandon d'Abracadabra. Kipso qui est déjà revenu sur Nemzor. Alors que devant, Oufaz creuse l'écart. Hein, 4 secondes 100 d'avance au volant de l'Audi TT Cup, le pilote de la Honda Multi Gaming. C'est la bataille entre les Italiennes pour la seconde position entre Nemzor et Kipso. Et c'est l'attaque de Kipso au même endroit que sur Alain. Nemzor, pareil, qui va tenter de garder l'intérieur. La bataille, c'est très très rude entre Nemzor et Kipso. Kipso qui va se positionner à l'intérieur sur ce premier virage. Mais Nemzor qui sera peut-être avantagé pour l'entame de cette chicane. Kipso qui referme la porte et qui reprend la seconde position. Nemzor se retrouve donc en troisième position, suivi de Alain. Il est à 1 seconde 7, le pilote de la MP Racing. Adèle est à la 5e position, 3 secondes derrière on aura Uma, Oncle Sly, Ikaeme, Sapapaya, 9e position, 10e position pour Bacasta et Fanao occupe la 11e position. Et c'est Oufaz, le pilote de la Honey Multi Gaming, qui domine toujours les débats avec 4 secondes 8 d'avance et l'écart qui se réduit un petit à petit. Le pilote de la TX3 qui est à l'attaque. On est déjà dans le 8e tour sur les 20 à couvrir. Et effectivement, une petite mise à jour s'impose pour la TT. Et ça fait déjà un certain temps hein, qu'elle est un petit peu au-dessus du lot, la TT. L'écart qui continue de se réduire entre Kipso et Oufaz. 4 secondes 100. Et ça passe très très fort dans cette chicane. Et Nemzor qui suit le rythme. Moins d'une seconde d'écart sur le pilote de la TX3. Oh, on sort un petit peu large là pour Nemzor. Petite frayeur. Alain qui est à 2 secondes. Thank you.
la Lamborghini très très à l'aise hein, dans les enchaînements de virages. On voit le temps, l'écart se réduire énormément dans les enchaînements de virages. En revanche, dès qu'il y a une ligne droite, la TT est quand même un petit peu plus au-dessus. Et Alain qui revient petit à petit. Moins de 2 secondes maintenant d'écart entre Alain et Nemzor. Par contre entre Nemzor et Kipso, 2 secondes 2 d'écart. Et Kipso qui revient à 3 secondes 8 maintenant du leader Oufa Z. Et on est à la mi-course pour Oufa Z au passage de la ligne. On rentre dans le 10e tour. Qui revient sur Nemzor. Moins d'une seconde d'écart. Qui sort un petit peu large. Petite frayeur pour le pilote de la MP Racing. On est à l'attaque pour Alain. On a envie d'aller chercher un podium. Peut-être une petite erreur de Nemzor ici. Nemzor qui voit revenir Alain assez rapidement à la suite de la chicane. Les deux pilotes qui vont se regrouper à l'avant de la course. Eh bien c'est Kipso qui n'est plus qu'à 2 secondes 9 de Oufa Z, toujours en première position. Attaque pour Alain, la glissade au volant de l'américaine. On a perdu un petit peu de temps. Je rappelle également que tous les pilotes sont en pneus durs. Un paramètre bloqué sur ce championnat. Tout comme la consommation du carburant et l'usure qui ne sont pas activées. Entre les deux pilotes. On va faire un petit point sur le classement. Oufa Z de la Honey Multigaming est toujours en tête avec 2 secondes 7 et qui voit revenir le pilote de la TX3 Kipso en seconde position qui revient petit à petit sur le leader de la course suivi de Nemzor et Alain et qui sont très très proches. On a l'impression que Nemzor a quelques difficultés au passage de cette chicane qui perd énormément de temps sur son poursuivant. Adèle est à la 5e position.
le second pilote de la Audi Multigaming au volant de la Mégane Group 4. Kuba également sur la Mégane est à la 6ème position. Oncle Sly sur l'Audi TT est à la 7ème position, suivi de près par Ikaeme. Sapapaya est à la 9ème position. Pacasta est à la 10ème position, alors que nous avons eu l'abandon de Fanao. Et Alain qui a fait la jonction et qui est tout proche maintenant de Nemzor. Nemzor qui se retrouve sous la pression du pilote de la MP Racing. On va pouvoir vérifier la théorie. Est-ce que Nemzor a quelques difficultés avec la Ferrari dans cette chicane? On l'a vu sur les deux derniers tours, Alain qui avait réussi. Ouh, la petite sortie de Nemzor, on sort assez large. Frayeur pour le pilote de la VDK. Oui, effectivement, Alain qui revient excessivement vite au passage de cette chicane. Et qui va pouvoir se décaler peut-être à l'aspiration. On se décale pour Alain au freinage. Et Alain qui tente de reprendre la troisième position. Nemzor qui ne pourra pas recouper. Et c'est la troisième position de reprise par Alain. Et c'est maintenant au tour de Nemzor de mettre la pression à Alain pour récupérer sa troisième position. Peut-être ici immédiatement. Kipso qui n'est plus qu'à 2 secondes de Oufaz. Oufaz qui voit dans son rétroviseur revenir le pilote de la TX3 et qui sent la pression petit à petit grandir. Et Nemzor qui lui ne lâche pas le rythme, il veut récupérer sa troisième position. C'est la bataille pour la dernière marche du podium. Et Kipso, 1.44.958, qui détient le meilleur temps autour. Salut Spoke. Oh, et c'est l'erreur d'Alain. Nemzor également qui a fait l'erreur. Et effectivement, on a vu. J'ai vu quel message. J'ai pas vu s'il y avait eu une action litigieuse ou pas. J'étais pas sur la vue. Et Nemzor qui se retrouve maintenant à 3 secondes 2 de retard après l'erreur dans cette chicane. Cette chicane qui est excessivement dangereuse. Adèle qui se retrouve donc à 2 secondes, 2 secondes 4 de Nemzor. Et Kipso qui revient à 1 seconde 5 maintenant du pilote de la Honda Multigaming. De nouveau en avance sur le meilleur temps retour. Les deux pilotes qui ont maintenant 10 et 11 secondes d'avance hein, sur le troisième Alain. Adèle est à la 5ème position, 6ème position pour Uma, 7ème position pour Ikaeme qui a repris le meilleur sur Oncle Sly. Oncle Sly est à la 8ème position, 9ème position pour Sapapaya, 10ème position pour Bacasta.
est dans le 14e tour. On va rentrer dans les 5 derniers tours de cette course. C'est pas ok. Et bien pour la suite de la Cup Mazix, il faudra encore attendre un petit peu. Hein. Il y aura d'autres championnats qui vont venir entre la M3 Cup et la suite de la Cup Mazix. Il y aura d'autres championnats qui seront organisés par Akakin de la Mazix qui feront leur apparition très bientôt. Mais il faudra encore un petit peu d'attente pour la suite de la Cup. Peut-être une M6. Sait-on jamais. Et moins d'une seconde d'écart maintenant entre Ufaz et Kipso. Passage de la chicane, on est passé vraiment tout proche là pour le pilote de la TX3. Effectivement, une soirée assez compliquée pour la VDK. On a toujours Nemzor quand même hein, qui est en 4e position. À 4 secondes d'Alain, Alain qui fait la bonne opération et qui récupère la 3e marche du podium au volant de la Dodge Viper, le pilote de la MP Racing. Et on a eu l'abandon, de nouveau d'un pilote de la VDK, Bacasta, qui a abandonné, qui était dans 10e position, un début de course compliqué pour Bacasta. Abandon, et c'est Sapapaya qui se retrouve en dernière position, à la 9e position. Kipso qui est revenu sur Ufaz. On est dans le 16e tour, et c'est la bataille pour le leadership. Et qui tente de nouveau une attaque, toujours au même endroit, pour le pilote de la TX3. Et ça passe pour Kipso. Un très très gros rythme imposé par les deux premiers pilotes. Et la petite erreur de Kipso qui repasse en seconde position. Ufaz qui reprend les commandes de cette course. La Lamborghini plus à l'aise, hein, on l'avait dit dans les enchaînements de virages. Et qui se décale et qui va reprendre immédiatement la première position. Ufaz qui va peut-être tenter de recroiser avant l'entame de la chicane. Non, ça restera derrière pour le moment.
Oufaz qui va tenter ici de reprendre à son tour la première position au freinage à l'intérieur dans le dernier virage. Et qui restera derrière les quatre roues motrices à l'avantage sur ce circuit. Et ça ne passera toujours pas pour Oufaz qui continue de mettre la pression au pilote de la TX3. Derrière Alain qui a creusé l'écart sur Nemzor, il est à 6 secondes 6 d'avance maintenant. On va rester sur la bataille entre les deux premiers pilotes. Un rythme assez impressionnant imposé par ces deux pilotes. Qui tente de creuser l'écart. Voilà la petite touchette pour Oufaz. On passe vraiment tout proche des murs dans cette chicane pour les deux pilotes. Et qui va retenter une attaque dans ce dernier virage. Au freinage, Oufaz qui repasse en première position. Quelle passe d'armes entre ces deux pilotes. On va rentrer dans l'avant-dernier tour. Equipso qui va tenter dans cette première chicane de reprendre la première position. Oufaz qui restera devant. Alors que derrière c'est Adèle qui a repris la quatrième position, qui a repris le meilleur sur Nemzor. On est sur deux batailles en même temps. Pour la première et la quatrième position. Le passage de la chicane pour les leaders. On est pare-choc contre pare-choc. Et Kipso qui reprend la première position à la sortie de cette chicane. Et on rentre dans le dernier tour pour les deux premiers pilotes qui sont toujours pare-choc contre pare-choc, roue dans roue pour les deux leaders de cette course. Oufaz qui va peut-être tenter ici, non. La bataille également entre Nemzor et Sayadel qui sont également dans le dernier tour. Le petit contact entre Nemzor et Adèle.
le passage de la chicane. La dernière fois qu'il passe dans cette chicane. Et Ufazen qui est maintenant trop loin, je pense, pour pouvoir aller chercher Kipso. Kipso qui va s'imposer. On est dans le dernier virage. Et ça sera la victoire du pilote de la TX3. Kipso qui s'impose au volant de la Lamborghini, suivi de très près par Ufazet de la monnaie du multigaming. Alain qui en finit à son tour, il est dans le dernier virage au volant de sa Dodge Viper à la troisième position. Le passage de la ligne s'est fait pour Alain, troisième position. Adèle et Nemzor qui sont tout proches également. Et c'est Adèle qui va garder sa quatrième position. Nemzor finira donc à la cinquième position. Uma qui revenait tout doucement à la sixième position. Ikaeme à la septième position. Alors que derrière, on a vu Sapapaya à la huitième position qui a repris le meilleur sur Oncle Sly qui finit à la septième position. Et neuvième place pour Oncle Sly. Voilà, on aura donc une victoire du pilote de la Virtual Driving by TX3 qui s'impose ce soir, qui était en wildcard ce soir, qui ne marquera pas de points d'après ce que j'ai compris en début de course. On a quand même passé une très très belle course, hein. C'était excessivement chaud dans les derniers tours avec Kipso et Ufazet. C'était chaud également entre Nemzor et Adèle. C'était vraiment une très très belle course. En tout cas, nous, on va, comme d'habitude, hein, bah, se quitter rapidement à la suite de cette diffusion, hein, puisque eh bien, ce n'est pas moi qui organise, je ne fais que diffuser, et ça me fait un petit peu moins de travail, et j'en suis bien content. Nous, on se retrouvera, pas beaucoup de streams hein, cette semaine, on commence seulement notre semaine aujourd'hui. On se retrouvera demain avec le début de ma propre course, la compétition de la G40 Ginetta World Cup organisée par la Racing Ball sur Project Cars, dans lequel je suis associé à Team 3DK de la FFSR pour une équipe mixte FFSR Mazix. Je débuterai avec donc Team 3DK dans le Lobby A demain pour la Ginetta G40 World Cup. À suivre également Alzirlou, Flore, Killer, et puis j'en oublie un, Melo, qui seront également sur cette Ginetta G40 World Cup. Et puis après, on se retrouvera jeudi pour une nouvelle manche du Classic Touring Car Championships, également sur Project Cars, une course dans laquelle je suis également participant. On sera sur Oschersleben. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Merci à tous d'être venus suivre cette retransmission de la GTCFC catégorie ESGT4. On était sur le circuit de Dragon Trail. Merci à vous tous d'être venus ce soir suivre cette retransmission. De plus en plus nombreux, ça fait excessivement plaisir. Merci à tous ceux, à tous les donateurs que je le rappelle, hein, je le rappelle comme je l'ai fait au début de la course. Merci à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait excessivement plaisir. Bonne fin de soirée à tout le monde. Bon courage à tous ceux qui se lèvent demain. À demain à partir de 21h pour suivre la course de la Ginetta. Bye et à la prochaine.